En fait, ce que je dirais, c'est que tout reste encore à faire dans le domaine de l'agroforesterie. L'agroforesterie n'est pas encore vraiment reconnue, que ce soit à l'échelle du Québec ou à celle même du Canada, même si on retrouve de plus en plus le mot dans certains types de programmes. Donc, on voit le mot apparaître, mais de là à dire que des initiatives structurées, des politiques, des programmes qui sont orientés vers l'agroforesterie, ben là, ce serait, on n'en est vraiment pas là. On s'attendrait à ce que soit reconnue l'agroforesterie par des grandes organisations là, qui sont en lien avec évidemment l'agriculture, la forêt privée, l'environnement, l'aménagement du territoire. Ça nous semblait là, être des domaines administratifs là, qui pouvaient converger autour de l'agriculture, puisqu'ils ont tous des intérêts soit sur le paysage, soit sur l'environnement, soit sur les rendements, la production, l'alimentation. Et comme l'agroforesterie combine la forêt et l'arbre et l'agriculture, le ministère des Forêts serait également impliqué alors qu'il l'est très peu. Mais donc, au niveau de la reconnaissance, on peut parler d'un événement quand même assez réjouissant là, à une échelle très régionale. Je pense au domaine de la forêt privée puis à la région de la Montérégie. Il y a eu là une entente sectorielle, ça veut dire plusieurs ministères ensemble, qui verse l'argent à une grande région comme celle-là. Nous, on a documenté que 34 MRC des régions les plus agricoles du Québec, le Montérégie, Centre du Québec, Lanaudière, Capitale-Nationale, là où il se produit le plus de maïs et de soya, parmi les 34 MRC, il y en a 15 qui ont mis le mot agroforesterie dans leur PDZA. Donc, ça veut parfois pas dire grand-chose, parfois ça veut dire quelque chose, mais on voit quand même que la terminologie pénètre même à ces échelles-là, là, sur le terrain comme tel. Quand ils ont construit les PDZA, il y avait des agriculteurs qui étaient présents, il n'y avait pas qu'eux, mais il y avait aussi eux. Et donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle après pour le déploiement d'actions. On est quand même parti de loin au Québec, puis récemment avec la refonte en fait du programme Prime Vert, il y a quand même eu certaines avancées là, au plan des systèmes agroforestiers qui sont louables et qui méritent d'être mentionnés, notamment le soutien à l'entretien, le soutien sur plusieurs années, le soutien au remplacement des plants aussi, donc tout ça, des mesures qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, il faut déplorer le fait qu'il y ait encore seulement deux systèmes qui soient reconnus à travers cette politique-là, c'est-à-dire les haies brise-vent et les bandes de riveraines élargies, donc intégrant des arbres. Le volet Prime Vert a aussi un volet d'appui au transfert des connaissances, puis à l'appui à la recherche aussi. Donc, dans Prime Vert, il est segmenté, il y a des appuis aux producteurs, mais aussi des programmes pour appuyer la recherche puis le transfert. Et là-dedans, dans le transfert, dans la recherche, le mot agroforesterie maintenant apparaît. Il y a des appels d'offres qui sont faits pour des chercheurs, et puis là, les thématiques sont listées, puis le thème agroforesterie est là. Donc, on est content, c'est rendu là. Mais il reste est-ce que c'est dans la mesure de nos moyens au Québec? Ça reste que c'est des sommes assez faméliques, là, tu sais, quand on a 35 000 par année pour suivre des systèmes agroforestiers pour faire de la recherche, c'est un peu le maximum, alors que c'est des, puis, tu sais, on a ça sur 2 ans, des fois sur 3, et on sait que c'est des systèmes très dynamiques. Les arbres grandissent, ils produisent pas les mêmes effets quand ils sont jeunes, quand ils sont vieux. Les terres agricoles sont variées, les cultures sont variées. Donc, pour dégager des choses là-dessus, il nous faudrait beaucoup plus de ressources. C'était une de nos recommandations là, en termes d'appui à la recherche. Au moins, on a le terme apparaît dans les thématiques, mais les sommes sont encore petites. Est-ce que dans les nouveaux argent, les argents neufs qui vont arriver, il y a un 125 millions de plus qui s'ajoutent? Mais ça va être à répartir dans tout le Québec, c'est quand même, mais c'est pas mauvais, c'est un pas dans la bonne direction. Il y a donc eu des ressources qui ont appuyé des projets en agroforesterie, de rédiger un guide d'agroforesterie, de songer à un modèle d'affaires en agroforesterie pour pouvoir financer des choses.
puis un assez terre-à-terre aussi d'aller évaluer sur le terrain, là, c'est quoi les niveaux de succès des infrastructures vertes qui ont été mises en place, que ce soit les haies brise-vent ou les bandes riveraines, pour aller voir, là, essayer de cerner les facteurs de succès ou d'insuccès, puis d'amener des recommandations autour de ça. Un des éléments importants pour appuyer l'agroforesterie, ce serait de reconnaître les services écosystémiques que l'agroforesterie peut rendre. Un des problèmes de l'agroforesterie, qui est lié beaucoup au fait que l'arbre prend du temps avant de croître et de donner ses services, c'est que les biens privés qu'elle peut donner sont quand même limités à court terme, alors que les biens publics sont très, très importants. Donc, quand on compare un système de monoculture agro-industrielle à l'agroforesterie, si on le fait à court terme, si on le fait simplement en termes de bénéfices privés, d'argent que le producteur agricole ou la productrice agricole peut tirer, bien, la monoculture paraît plus intéressante à court terme. Mais... Ça va prendre du bottom-up, là, qui ça part de la base, puis que ça monte. Donc, les MRC, à mon avis, c'est une structure régionale qui, si on pouvait là, avoir une manière de leur donner la parole pour qu'ils expriment leur valeur envers l'environnement agricole qu'ils veulent avoir. Je pense qu'il y a au sein des MRC, il y a des gens qui sont capables de dire « Écoute, notre eau, ça n'a pas de bon sens, notre biodiversité, ça n'a pas de bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans notre paysage autour de nous, là? Puis donnons-nous les moyens pour l'avoir. Donc, soutenons peut-être les producteurs, trouvons des ressources humaines pour que, justement, on puisse faire la promotion, influencer les producteurs, aller chercher les différentes ressources financières qui existent, parce que ça devient un peu complexe pour un producteur souvent. Il y a des primes verts, il y a ALUS, qui est un programme privé, il y aura peut-être une bourse du carbone. Enfin, tous ces éléments-là, si on pouvait les mailler, puis donc que les régions, comme les MRC, se dotent de ressources humaines qui sont capables d'en prendre une partie, là, puis qui puissent simplifier la chose pour le producteur. Si on veut une véritable transition, une transition alimentaire, transition dans notre système alimentaire, une transition écologique, une transition énergétique, bien, il faut pouvoir accompagner les gens qui font de l'agriculture pour faire cette transition, pour soutenir cette transition. Donc, c'est tout le domaine du transfert de connaissances, qui va au-delà donc des programmes de soutien financier en tant que tel, et qui est à mon avis très très important. Quand on veut faire du maïs ou du soya, on bénéficie de toutes sortes d'appuis. Quand on veut faire l'agroforesterie, bien, c'est pas si simple. Donc ça, il faut s'assurer que ce soutien soit là. Puis ce qui m'amène aussi à dire que bon, bien, oui, il y a ce soutien technique, mais il y a aussi un soutien qui est en amont, c'est-à-dire un soutien en matière de recherche, en matière d'éducation, de formation. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait du financement adéquat aussi pour la recherche. Plus on fera de la recherche en agroforesterie qui est appliquée à nos conditions québécoises, bien, plus on développera des systèmes qui sont performants, qui fonctionnent bien, aussi bien dans la provision de biens comme des biens agricoles ou ne serait-ce que du bois ou des fruits qui viennent des arbres ou des noix, mais aussi dans la provision de services comme la séquestration de carbone ou l'appui à la qualité de l'eau, par exemple. Donc, ces éléments de recherche, d'éducation et de formation sont, à mon avis, essentiels. La connaissance est quand même assez avancée, relativement disponible pour qui la cherche. C'est-à-dire qu'on manque peut-être d'outils synthétiques et qui permettent de faire les bons choix techniques. Les bons choix techniques, ça commence par le design du système. Donc là, on parle de quelles essences on plante, de quelle façon, quelle orientation, quels espacements, enfin, des choses très très techniques. Puis les étapes de mise en terre et d'entretien. Mais tout ça, enfin, on est avancé. C'est pas qu'on part pro, c'est qu'on est avancé. Il suffit d'aller demander à un certain nombre de personnes qui ont déjà fait des recherches, qui ont fait des essais, qui ont suivi des essais. Et on a au Québec vraiment, je pense,
une bonne expertise. Elle est peut-être pas assez encore accessible, ou il n'y a pas encore eu assez de synthèse d'expertise pour se traduire en guide disponible à tous et bien en vue. Mais l'expertise est là. Donc. Un des problèmes qu'on a aussi en matière de politique, c'est que tout le monde se renvoie un peu la balle. Donc, est-ce que l'agroforesterie dépend du secteur agricole? Est-ce que ça dépend du secteur forestier? Est-ce que ça dépend du développement rural, de l'aménagement du territoire ou même de l'environnement? Ça dépend un peu de tous ces secteurs. On pourrait même y ajouter la santé publique, maintenant qu'on s'intéresse à des concepts comme une seule santé, donc avec des liens assez clairs entre la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes. Puis on n'a qu'à penser à l'usage des pesticides pour s'en rendre compte. Donc, est-ce qu'il faut absolument favoriser un dialogue intersectoriel? Il faudrait que les gens d'agriculture, de foresterie, d'environnement, de santé, d'aménagement du territoire se parlent un peu plus, parce que l'agroforesterie peut contribuer à tout ça. Et donc, on peut imaginer une politique qui soit uniquement consacrée à l'agroforesterie, mais on pourrait aussi imaginer que l'agroforesterie trouve sa place dans toutes sortes de politiques qui concernent des enjeux précis, comme celui de la qualité de l'eau, comme celui de la santé humaine en lien avec l'usage de pesticides, par exemple, comme celui de la biodiversité, comme celui des changements climatiques. Donc, on pourrait avoir une politique agroforestière, mais on pourrait aussi avoir une agroforesterie qui contribue à l'atteinte d'objectifs que se fixe un certain nombre d'autres secteurs. Donc, oui, l'agroforesterie a sa place. Il faut lui faire une place dans tous les secteurs, mais il faut aussi un dialogue intersectoriel pour bien reconnaître la contribution qu'elle peut avoir partout. Puis peut-être aussi s'assurer qu'on permette aux agriculteurs et aux agricultrices qui pratiquent l'agroforesterie d'avoir accès à un appui en fonction de toutes sortes de services écologiques ou écosystémiques que l'agroforesterie va fournir. Donc, pourquoi, si on les appuie, par exemple, parce que leur pratique offre des bénéfices en matière de qualité de l'eau, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas les appuyer non plus pour les bénéfices qui sont offerts en matière de séquestration de carbone, par exemple, ou en matière d'amélioration de la biodiversité. Donc, pourquoi pas additionner tous ces bénéfices, puisque tous ces bénéfices, effectivement, ils s'additionnent. Donc. Mais comment quantifier l'apport d'un arbre dans un système agricole ou des arbres? Puis comment quantifier, en fait, l'ensemble des services qu'il offre? Bon, on a certains outils qui nous permettent de le faire, sauf que je pense que ça ne rend pas bien compte, ou ça ne prend pas en compte de façon globale, en fait, l'apport que cet arbre-là peut avoir, notamment parce que les services culturels qu'il rend sont encore peu documentés et encore moins bien exprimés en termes monétaires. On est capable, par exemple, de quantifier à peu près, quoique c'est encore assez complexe, combien un arbre peut potentiellement capter de carbone, quel peut être son impact sur la qualité des cours d'eau, bon, tout ça. On n'est pas encore arrivé à des outils très, très faciles, mais on a des méthodes, en tout cas, on a comme une idée de comment calculer ça, puis on est capable peut-être d'arriver à des estimations. Mais pour ce qui est des services culturels, qui selon moi sont tout aussi importants que les services écologiques, ça c'est une autre paire de manches. Soutenir les producteurs qui adoptent l'agroforesterie. Alors, les soutenir, il semble que dans la nouvelle politique, ça viendra. Le ministre dit qu'il veut récompenser les bons joueurs. Donc, on va voir comment ça va s'articuler. Mais effectivement, moi, je verrais très bien un programme, cependant, qui est très spécifique à l'agroforesterie, qui est très spécifique au système d'infrastructures vertes compatibles avec la grande agriculture intensive. Et il faudrait qu'il ne soit pas noyé dans une foule de petits programmes, puis qu'on voit, non, qu'on ose baptiser ça de l'agroforesterie, puis qu'on ose tous se fédérer autour de ça pour que le programme qui va amener de la nature dans les systèmes agricoles soit singularisé, puis qu'on
on puisse en plus attirer des fonds privés, attirer des bourses du carbone, attirer d'autres ressources qui ont pour cet objectif-là de rehausser la part de nature dans le système agricole. À mon point de vue, ce qui nous manque, c'est d'avoir des modèles vitrines, c'est-à-dire avoir des fermes qui fonctionnent avec des modèles agroforestiers qui peuvent servir d'exemple pour inciter les gens à aller vers ces modèles. Maintenant, si on veut intégrer l'agroforesterie dans des fermes existantes, ça se fait déjà. Les haies brise-vent, les bandes riveraines existent déjà dans les fermes. C'est juste que c'est pas utilisé comme des systèmes agroforestiers. Donc, il y a aussi un travail à faire là-dedans. Amener les gens à parler le même langage que nous, à comprendre les mêmes concepts que nous. Être en contact avec les producteurs pour leur expliquer les enjeux, les objectifs, c'est quoi l'objectif. Et ça, c'est important. Et puis également, que ça soit connu. Que ça soit connu parce qu'un producteur, moi, dans mon cas personnellement, quand je vais parler à un producteur que vous avez un système agroforestier, en lui parlant de sa haie brise-vent ou de son ventre de vin, j'ai comme un regard, un recul, parce que ça lui dit rien, l'agroforesterie. Mais si je lui dis, vous avez un brise-vent, bande refrain, ça lui dit quelque chose. Donc, je pense au niveau du terrain, il y a une marge entre ce qui se fait dans la recherche et ce qui se fait au niveau du terrain. Courant, mais j'avais entendu, il y a environ 2 ans, il y avait un laboratoire qui devait se faire au niveau de l'Université Laval, pour faire de la recherche sur le terrain en agroforesterie. Je ne sais pas là où on est. Je pense que ce sera un bon point de départ pour commencer à avoir des fermes ou des modèles agroforestiers qui serviraient comme des vitrines. Je pense que c'est un double travail, à la fois sur le terrain et à la fois dans le monde de la recherche, de façon générale, pour démontrer les bénéfices. Puis je pense que ça prend vraiment les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut arriver à multiplier les projets sur le terrain, projets qui sont des succès, qui vont faire qu'il va y avoir des porte-paroles, des agriculteurs qui vont expliquer à quel point ils sont contents dans la semaine verte d'avoir planté des arbres, ou des agriculteurs qui vont dire qu'ils ont fait un système chez un propriétaire et que le propriétaire est super content, puis on va voir le propriétaire aussi, puis on va voir les arbres bien entretenus, puis là aussi ça va passer par des canaux, enfin, je pense à la semaine verte, c'est très très porteur. Et parallèlement à ça, ça prend aussi une démonstration continue des bénéfices à nouveau multidimensionnels de l'agroforesterie, donc que des chercheurs s'intéressent à l'impact du système agroforestier sur la résilience des systèmes agricoles dans un contexte de changement climatique, mais oui aussi sur la croissance et la qualité du bois, sur les impacts économiques, sur les gains en termes de biodiversité, sur la diversité du paysage, et donc la convergence de ces démonstrations de terrain avec des porte-paroles et puis d'une documentation plus scientifique devrait normalement conduire à une meilleure reconnaissance. Je dis normalement parce que des fois c'est pas si simple. Ça prend vraiment d'avoir des porte-paroles, ça c'est essentiel. Je pense que ça prend des leaders, notamment agricoles, je pense, qui le mettent en œuvre et que ça remonte dans les instances, notamment de l'UPA, qui est quand même une voix forte et qui, à un moment ou à un autre, va interpeller le MAPAC en disant voilà tous les bénéfices qu'on a avec ça. Donc ça prend ça, mais ça prend aussi la démonstration des gains sous un angle plus scientifique, plus mesuré. Pour l'instant, on fait avec le programme Prime Vert qui se termine en 2023. C'est sûr qu'il y a tout des améliorations à faire. Maintenant, on sait que ce qui s'en vient, c'est le plan d'agriculture durable qui a été annoncé dernièrement, où on vise 50% de haies brise-vent, d'augmentation de plantation de haies brise-vent et de bandes riveraines. C'est quand même un beau défi. Après ça, on va voir quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre, puis quelle sera la réponse des producteurs, parce qu'avant tout, un programme, il est populaire grâce aux producteurs. Si les producteurs
ne s'y convient pas aux producteurs, qu'ils n'y adhèrent pas, là, le programme ne devient pas populaire. Là. Ceci dit, c'est sûr que c'est souvent le même groupe, entre guillemets, de producteurs qui font affaire avec nous autres, parce qu'ils ont, souvent un agronome, un club agro-environnemental, qui lui est là pour les alimenter en information. Il est là pour aller sur le terrain, il est là pour leur dire, ben, regardez ce que... Vos arbres, ben là, il faudrait les tailler. Parce que souvent, les producteurs, ben souvent, parfois, les producteurs, à force de voir leur ébrisement, ils ne voient pas ce qu'il y a à faire. Ou quand ils le voient, ils voient juste l'aspect que leur rétroviseur de tracteur a brisé à cause des branches. Sauf qu'un agronome qui va aller sur place, ben lui, il va leur dire, premièrement, avant qu'il y ait des bris, il va dire, ben là, ta haie, il faut l'entretenir. Puis s'il y a un bris sur un rétroviseur de tracteur, ben, il va aussi leur dire, ben, c'est parce que ton accumulation de neige se fait mal, ton foin sèche mal parce que l'air ne circule pas. Donc, tu sais, plus un producteur est accompagné par quelqu'un, ben, plus il est censé être au courant là, de différents programmes de prime vert. C'est aussi ça, c'est un travail d'équipe entre le MAPAC et les gens qu'on appelle en première ligne, les conseillers agricoles qui, eux, vont... Bon, partager la bonne nouvelle, entre guillemets. Là. Pour l'instant, en agroforesterie, on est encore trop peu de professionnels formés dans ce domaine-là. Même les professionnels, en fait, là, ingénieurs forestiers et agronomes, ne reçoivent pas de formation de base en agroforesterie, à moins qu'ils aillent la chercher eux-mêmes à travers des cours complémentaires. Donc, ça, c'est très préoccupant. Pour l'avancée, en fait, de cette perspective-là agroforestière sur l'ensemble de nos territoires. Puis l'expertise est souvent très concentrée dans des régions, dans des clubs conseils ou à travers des personnes très spécifiques qui sont un peu dispersées. Donc, ça limite le maillage, le partage d'expertise, l'innovation aussi. Puis ça limite évidemment le nombre de personnes actives en agriculture ou en foresterie qui seraient peut-être intéressées, mais ça limite notre capacité à les rejoindre, puis à les informer, puis à développer ensemble des projets agroforestiers. On s'aperçoit qu'effectivement, on trouve maintenant dans les politiques à tous les niveaux de l'échelle territoriale, on trouve des références à la nécessité d'orienter l'agriculture différemment. Donc ça, c'est très clair maintenant, et c'est depuis une dizaine d'années, c'est très très clair, d'orienter l'agriculture vers quelque chose de moins intensif, de plus écologique, profiter des synergies entre les végétaux, entre les arbres et les plantes herbacées, ce qu'on appelle la permaculture, etc. Tout ceci est devenu à la mode. Enfin, à la mode, plus qu'à la mode, c'est devenu une sorte de stratégie de développement. Alors après, dans les faits, ce qui se passe, c'est que on oriente des fonds de l'agroécologie et de l'agroforesterie vers des systèmes qui sont déjà en place, pour aider les systèmes qui sont déjà en place. Parce que l'agriculture, de toute façon, elle est en difficulté. Au moins dans les zones rurales, dans les zones de montagne, etc. Donc il y a une sorte de... c'est pas un détournement d'argent, mais c'est un peu du greenwashing. Voilà, un peu. Et après, malgré tout, il y a des espaces, il y a des possibilités quand même de monter des projets d'agroécologie. Et en particulier... de travailler par exemple sur les systèmes fruitiers, par exemple. On peut faire financer maintenant, justifier des projets où, au lieu d'être sur des vergers mono spécifiques, on va avoir des mélanges. J'ai vu passer des offres, des appels à projets sur des vergers qui comportent des arbres fruitiers, mais aussi des arbres non fruitiers qui sont des arbres autochtones pour la biodiversité. D'une manière générale, le souci, c'est de réinstaller l'arbre en France. Et la politique agroforestière, quand tu regardes un petit peu, le souci, c'est celui-là. Comment on remet des arbres et comment on les met de manière durable. Et comme la France, c'est un territoire qui est quand même très cultivé, bah, les arbres, on les installe au milieu des cultures, donc que ce soit dans des haies, dans des bosquets ou dans des systèmes mixtes.
il y a une interaction plus forte. Mais je ne vois pas très bien qu'on puisse séparer l'agroforesterie vraiment de l'agriculture. Ça serait dommage, en fait. Une politique agroforestière, s'appuierait, elle consacrerait une reconnaissance de l'outil agroforestier. Ça serait intéressant. Puis je pense qu'elle pourrait mettre l'emphase sur les besoins qui sont des besoins dans le transfert de connaissances. Donc là, il pourrait y avoir une politique agroforestière pourrait vraiment opter des objectifs de accroître les outils de transfert de connaissances. Donc ça veut dire s'assurer qu'il y a un réseau de conseillers, s'assurer qu'il y a des outils, s'assurer qu'il y a de la formation initiale pour les agriculteurs ou pour d'autres en agroforesterie. Cette même politique pourrait évidemment porter un programme de soutien à la mise en place. Donc beaucoup de paramètres sont à définir, mais pour l'occasion, là, ça pourrait vraiment être un programme pour une agriculture, une agroforesterie multi-objectifs. Là, ça serait évident. Puis l'agroforesterie pourrait facilement mettre des objectifs d'accroissement de connaissances, donc tout ce qui est recherche, dans tous les champs où l'agroforesterie peut amener des gains. Pourrait aussi parler, définir, mettre des balises sur la concertation qu'il devrait y avoir autour de l'outil agroforestier. Donc une politique pourrait formaliser l'ensemble de ces aspects. C'est ce qu'il y aurait comme gain, je trouve, à avoir une politique spécifique à l'agroforesterie. La première chose, je pense, puis la chose peut-être la plus difficile à réaliser, ce serait d'en arriver, en fait, ce serait qu'on ait une politique qui reconnaisse pleinement et sans équivoque l'importance de l'arbre en milieu agricole. Ce qui voudrait dire qu'une politique agroforestière qui serait vraiment bien conçue ne ciblerait pas des types de systèmes en particulier et aurait encore moins de règles très strictes à respecter pour obtenir du financement pour les implanter. Il faudrait que cette politique-là permette aux exploitants aux personnes qui les utilisent ou qui les implantent de pouvoir modifier leur système dans le temps, parce que de toute façon, les services que ce système-là va rendre au fil du temps vont changer. Puis les exigences en termes de régie, en termes d'entretien, puis en termes de, puis aussi les possibilités qu'il offre en matière de culture agricole, par exemple, vont changer au fil du temps. La perspective aussi de récolter les arbres ou non, etc., ça change aussi au fil du temps. Donc, je pense que cette politique-là devrait permettre, par exemple, de soutenir la culture de champignons pendant un certain temps, entre les arbres, pourquoi pas, puis ensuite de passer, de soutenir, par exemple, une transition de culture de céréales, par exemple, vers des cultures plus fourragères, si on pense à des systèmes où la densité d'arbres, dans le fond, impliquerait qu'à terme, la luminosité serait à ce point affectée par l'ombrage des arbres qu'il faudrait penser à changer de culture. Donc, il faudrait que cette politique-là, en fait, offre du soutien ou des programmes, ou des mesures ou une vision, en tout cas, à long terme. Parce qu'évidemment, les arbres, ça n'a pas le même taux de croissance que des plantes, puis on ne les récolte pas au même moment. Donc, voilà, cette notion-là de durée, elle est essentielle, puis on l'a vu dans des programmes qui ont été mis sur pied auparavant, notamment le programme de multifonctionnalité de l'agriculture, puis aussi le programme des laboratoires ruraux. Ce sont les seuls programmes qui étaient élaborés sur une période relativement longue, notamment celui des laboratoires ruraux. Je pense que c'était un financement sur au moins, en tout cas, ma mémoire me fait probablement défaut, mais c'était au moins 4 ans. Je me demande si c'était pas 7 ans. Donc, quand on a un financement assuré sur une certaine période de temps, ça nous permet de prendre les meilleures décisions et de pouvoir adapter le système de façon à ce qu'il prenne son envol, peu importe du type de système dont on parle. Donc, le long terme, selon moi, ça serait vraiment quelque chose d'essentiel. Puis,
Évidemment, il y aurait des aspects un petit peu plus techniques comme des ponts entre différents programmes existants, une réflexion sur les freins qui existent actuellement dans les politiques agricoles et forestières ou autres qui limitent l'implantation d'arbres en milieu agricole ou la valorisation des espaces forestiers pour la production d'espèces alimentaires. Mais au-delà de ça, je pense qu'un autre élément vraiment important, ce serait d'avoir une vision, de développer une vision plus globale de notre relation au territoire, puis de la manière dont on en conçoit les usages. Et je m'explique. Actuellement, en fait, les parcelles agricoles sont considérées comme des parcelles agricoles. Puis les territoires forestiers sont certes en zone agricole parfois, mais sont considérés essentiellement comme des territoires forestiers. Ce qui implique qu'on concentre, puis on se spécialise sur les espaces agricoles à faire des activités agricoles et dans les espaces forestiers à faire des activités forestières. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de repenser à nos territoires comme des trames plus complexes où s'entrecroisent mieux différents usages comme l'agriculture et la foresterie? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de penser qu'il y a des arbres qui sont hors forêt puissent être soutenus? Puis est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de penser que des cultures alimentaires puissent être soutenues en secteur forestier? Moi, je pense que oui. Je pense que comme certaines personnes m'en ont déjà fait part, on est très bon pour faire uniquement de l'agriculture, puis on est très bon aussi pour faire uniquement de la gestion écosystémique de la forêt. Mais entre les deux, on est très mauvais à intégrer ces usages-là ensemble, puis à gérer des territoires où c'est maillé. Puis je pense que c'est là le grand défi, puis je pense qu'une politique agroforestière pourrait vraiment nous aider à développer de l'expertise dans l'établissement d'un continuum, en fait, agriculture-forêt, qui nous permettrait d'en arriver à des paysages plus complexes, plus résilients, plus durables, et où j'espère où il ferait vraiment bon vivre. Ça prend une révolution. Je pense que ce dont on a besoin, c'est d'une vraie révolution agroforestière. La transition est absolument nécessaire. On sait que nos pratiques actuelles nous entraînent droit devant un mur, puis un mur qui risque d'être assez dur. On sait que nos pratiques sont pas soutenables, donc il faut changer. Il faut changer nos façons de faire. On a vraiment pas le choix. Donc pour ça, il faut vraiment travailler sur des pratiques alternatives. Je pense que l'agroforesterie en est une qui mérite vraiment vraiment qu'on se penche dessus à travers de la recherche, à travers de la formation, à travers des politiques, des programmes aussi de soutien qui vont nous permettre d'assurer la transition écologique qui est nécessaire, qui vont nous permettre d'assurer la sécurité alimentaire de tous les gens sur la planète, d'assurer aussi une transition énergétique, par exemple. Donc, les défis sont nombreux. C'est dommage que ça évolue si lentement, effectivement, parce qu'il y a des défis qui nous attendent doivent être résolus quand même assez rapidement. Et planter un arbre, ça prend du temps. Donc, il est temps de les planter maintenant, ce qui veut dire que ça nous prend des politiques tout de suite.